répondant massivement à l'appel des leaders de l'opposition ainsi que des différents mouvements citoyens, tel un seul homme, le peuple congolais a pacifiquement manifesté ce vendredi 26 octobre 2018 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour dire un non catégorique à l'usage de la machine dite à voter ainsi qu'aux fichiers d'électeurs corrompus avec un capital de près de 10 millions de votants sans aucune empreinte digitale. Dans la capitale, ses mains dans la main, que les leaders de l'opposition, leurs représentants, leurs cadres, leurs militants ont conduit le long cortège humain, avec la présence parmi eux de plusieurs candidats présidents de la République. Même engouement et détermination dans la ville de Goma où avec sérénité le peuple à 102 tours dit non à la machine à voter ainsi qu'aux fichiers corrompus de la CENI. Le même enthousiasme a été observé dans la ville de Bukavu, à Butembo, au Bandundu. Alors que toute manifestation a été interdite ou réprimée à Gemena, Kisangani, Matadi, Mbujimayi, Kananga et Lubumbashi, où la ville a ressemblé à une ville morte avec quelques expressions du ras-le-bol par une population frustrée de voir toute tentative de manifester étouffée dans l'œuf.